Et salut à tous, et pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un combat de boss, le retour des poupées, les poupées des... Ouais, je sais pas trop comment est-ce que c'est, moi j'appelle ça des poupées, Calcabrina, donc la grosse poupée, donc on le sait, hein, ce fight se compose en deux phases, mais bon, tout ça, on y reviendra après. Donc dès le moment où on arrive à gagner le combat, on gagne nos 100 lapis classiques, plus... la petite cursette d'ol, plus, qui est un accessoire du coup, 72 points de magie, qui nous apporte 80% de résistance à la glace, et moins 100% de résistance à confusion. C'est-à-dire que même si derrière on met un ruban, et bien du coup on sera pas immunisé à confusion. C'est-à-dire qu'il faut mettre un ruban plus un buff anti-confusion, si on veut pouvoir être immunisé à confusion. Donc attention à ça, mais 72 points de magie, c'est quand même assez cool, hein, et 80% de résistance à la glace. Pareil, je dis pas non. En termes de missions secondaires, pas utiliser d'objets, nous donne 10% de Trust Mob, utiliser une limit burst 250 Trust Coin, et si on gagne la deuxième bataille en moins de 10 tours, à ce moment-là, on va gagner un ticket UOS. Bon, on verra que ça peut être jouable quand même assez facile. Première vague, et ben du coup, on va affronter 3 Calca et 3 Brina, donc ces petites poupées, hein. Donc les Calca et tous les boss, enfin tous les ennemis de ces deux combats seront démons et fées. Calca ont 45 millions de points de vie, un petit peu plus de défense que d'esprit, un peu plus d'attaque que de magie, pas de résistance élémentaire. Potentiellement, on peut réussir à les aveugler, parce qu'elles ont que 50% de résistance à l'aveuglement. Et par contre, on peut les break toutes statistiques sans problème. Et elles ont 50% de résistance supplémentaire contre des loups. On utilise des attaques neutres. Attention à ça, plutôt y aller avec des attaques élémentaires. En plus, ça, on a tous les éléments possibles. Pouf, autant se faire plaisir. Et les Brina, eh bien, exactement les mêmes statistiques, exactement les mêmes caractéristiques. Aucun problème là-dessus. Et en termes d'habilité, pour ces deux, enfin pour ces 6 petites poupées, parce qu'au total, elles seront 6, de l'attaque physique, c'est uniquement de l'attaque mono-cible. Un petit peu de physique, un petit peu de magie aussi, bon, avec du break 25% potentiel, tout en dégâts neutres, et en plus ça on peut rajouter qu'elles ont potentiellement infligé silence, paralysie, pétrification sur un ennemi. Bon, attention, si les 6 sont en vie, bah, potentiellement sur les 6 ennemis, donc prévoir de l'anti-altération d'état, et elles vont être capables de se buffer à 200% de toutes les statistiques pendant un tour. Bon, attention, parce que derrière, ok, on fait moins de dégâts, on pourrait dire c'est pas trop grave, mais par contre, on va prendre beaucoup plus de dégâts, donc attention à ça. Sachant que du coup, on prend un petit peu plus de dégâts en magique qu'en physique, parce que on a un sort qui est un petit peu plus fort sur la magie, les autres sont à peu près répartis de la même façon, donc bon, pas de tank a priori privilégié, peut-être magie, et encore. Donc les Calca et les Brina vont contrer les attaques physiques et les attaques magie par des reflets, donc les petites attaques mono-cibles qu'on a vues, hein. Maximum 2 par tour, mais bon, du coup 2 x 6, 12 attaques potentiellement sur nos attaquants, ça peut piquer quand même. Et ensuite, leur rotation est assez simple, on va utiliser 2 sorts chaque tour en fonction de la priorité de ce tableau-là. Donc un tour sur deux, elles ont une chance, 50% de chance d'infliger les altérations d'état. Le reste du temps, 50% de chance de faire l'attaque physique mono-cible la plus forte. Quoi qu'il arrive, elles vont faire l'attaque magique la plus forte. Pour ça que je dis peut-être qu'un tank magique, provocation pour ce premier combat est un petit peu plus intéressant. Et en plus de ça, de la magie en plus. Donc, on va quand même subir pas mal d'attaques magiques en plus, donc ça peut piquer si on est que sur un tank physique, qui n'a pas beaucoup d'esprit, pourquoi pas. Et donc tous les 4 tours à partir du tour 3, elles vont se buffer sur les 4 statistiques, bon. Et le reste du temps, en plus ça termine avec des attaques normales, donc okay. Premier combat globalement assez simple, faut faire de l'AOE, les tomber le plus rapidement possible. Il n'y a rien de très compliqué, on les break, on réduit un élément, on fait là-haut sur cet élément, ça va tomber tout seul.
aucun problème là-dessus. Donc démon, les 6 sont morts, on passe sur la deuxième phase du combat, cette fois-ci du coup c'est Calcabrina qui commence le fight, toujours démon fée, 300 millions de points de vie, toujours plus de défense que d'esprit, peut-être privilégier la magie, hein, ça pourra aider. Toujours pas de résistance élémentaire, elle par contre est immunisée à toutes les altérations d'état, par contre on peut toujours la break sur tous les éléments. Et elle va toujours subir 50% de dégâts en moins sur l'attaque avec des attaques neutres. Donc, on va continuer à utiliser des éléments, hein, pas trop de soucis là-dessus. Cette fois-ci, en physique, on a uniquement de l'attaque mono-cible, donc qui pique quand même. Hein, on est sur du 15 de modificateur, 10 de modificateur. En plus de ça, on va subir un break défense-esprit de 50%. Ok, ça peut quand même piquer. Et ensuite, sur de la magie, on est globalement sur de l'AOE, sauf deux attaques mono-cibles, hein, qui ressemblent fortement aux deux attaques mono-cibles qu'on a vues plus haut. Et en termes d'éléments, on va subir du feu, de l'eau et de la foudre, avec potentiellement moins 50% de résistance sur ces trois éléments-là. Donc, pensez à bien stuffer votre tank magique, mais on va en reparler un petit peu après. Et on a aussi de l'AOE magie neutre, 8 de dégâts à tous les ennemis, plus du drain de mana, plus du moins 50% de résistance sur nos 3 éléments. Attention, hein, c'est potentiellement ça qui peut être le plus problématique sur nos combats, mais encore qu'on verra qu'il y a un petit moyen d'esquiver cette attaque. Et en AOE fixe, on a une attaque qui peut faire quand même de beaux dégâts, hein, parce que elle va automatiquement mettre toutes nos unités à 1% de leur point de vie, et en plus de ça, les breaker à 50% sur toutes les statistiques. Autant dire qu'on sera pas très content quand on va arriver sur ce type d'attaque. En termes d'altération d'état, cette fois-ci, de la paralysie, de la pétrification, du poison, de la confusion... Bon, bah, globalement, on rajoute que poison, non? Paralysie, pétrification, on rajoute confusion. On rajoute poison, confusion comparé à avant, mais bon. Encore une fois, un buffer Weller qui met de l'anti-altération d'état, et on est parfait. Roulez jeunesse. Elle va être capable de se buffer 200% à la défense et l'esprit, mais on pourra dispel. Et elle va aussi pouvoir invoquer Calca et Brina, donc attention à ça. En termes de rotation, pour cette deuxième phase de combat, on a 4 thresholds. Le premier 80% qui va nous mettre à 1% de points de vie et nous break. Et en plus de ça, elle va se buff, mais c'est tout. 60% de points de vie, elle va nous aspirer la mana et elle va se buffer. 45% de points de vie, à ce moment-là, elle va invoquer les 6 petites poupées qu'on a déjà affrontées. Et du coup, à ce moment-là, automatiquement, la grosse poupée va mourir. Et du coup, le seul moyen, on va dire, de continuer le combat avec ses 50% de points de vie, c'est de réussir à tuer ces 6 nouvelles poupées en moins de 5 tours. Si après 5 tours, il y en a au moins une qui est en vie, à ce moment-là, elle va se transformer en Calcabrina avec 100% de ses points de vie. Du coup, on est un petit peu emmerdé. Bon. L'avantage, c'est que ce split en petite poupée ne peut arriver qu'une seule fois par coin. Donc même si on se loupe sur la phase AOE, eh ben c'est pas grave, on reprend du début et il n'y aura pas de re-split à 45%. Mais par contre, on va se retaper les deux premiers thresholds. Attention à ça. Dernier threshold, 30%, on passe à 1% de points de vie. En plus de ça, on subit du dégât magique neutre. Et on se fait aspirer les points de vie, donc attention, c'est ce threshold là qui clairement pique. Potentiellement une auréole sur tout le monde peut clairement aider. Donc voilà. Et si jamais on passe plusieurs thresholds d'un coup, entre autres le 80, 60 et 45 en même temps, et bien du coup elle va faire que le 45% et c'est tout. Donc voilà, par contre... Une fois que le split est fini, elle va faire tous les thresholds d'un coup. Attention à ça, donc entre guillemets, c'est si jamais on n'arrive pas à la phase AOE, et que derrière on fait 140% de points de vie, à ce moment on va subir pressure plus toutes les autres attaques en même temps.
Ouais, ça peut légèrement piquer. Donc, attention, la première fois, on a le droit de passer potentiellement plusieurs très chauds d'un coup si on fait au-dessus de 80 à 45%. En dessous, non. Attention à ça. Elle va contrer les attaques physiques, les attaques magiques par du coup bah, les petits sorts qui vont bien en conséquence. Là, elle peut en activer autant qu'elle veut par tour. Donc si on l'attaque 10 fois, elle va contrer 10 fois, voilà, point. Et ensuite, ses actions, en tout cas une partie de ses actions, vont être basées en fonction de l'élément avec lequel on l'aura touché le tour précédent. Si jamais on l'a touché avec la glace, le vent, la terre, la lumière ou les ténèbres, à ce moment-là, automatiquement, on va subir la magie note en AoE et le drain de mana. Donc attention à ça, idéalement, du coup, il ne faut pas jouer sur ces 5 éléments-là, mais uniquement sur les 3 autres, hein, le feu, l'eau ou la foudre. Et donc, en fonction de l'élément qu'on va lui avoir infligé, hein, ces 3 éléments-là, et ben, du coup, on va subir une AoE de cet élément-là et moins 50% de résistance de l'élément pendant 3 tours. Si jamais on l'a pas touché avec le feu, l'eau ou la foudre, à ce moment-là, on va faire une AoE classique élémentaire de cet élément-là, mais sans la réduction élémentaire qui va avec. Ce qui veut dire qu'en fait, sur notre tank magique, cover, on a besoin de 150% sur l'élément que nos attaquants physiques vont utiliser, et de 100% uniquement sur les 2 autres éléments, et c'est tout. Donc en soi, assez simple, ça en plus c'est après buff, sachant qu'à aucun moment on va être débuffé, il n'y a pas de dispel, donc bah, potentiellement en termes de résistance ça va être relativement très simple, il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. Tous les 5 tours, elle va nous faire, elle va nous passer à 1% de points de vie, donc attention à ça, peut-être prévoir une auréole sur tout le monde tous les 5 tours, histoire d'être sûr que ce soit pas trop la mernière, parce que derrière bah, on peut continuer de subir des dégâts quand même. Parce que tous les 4 tours, par exemple, elle va se buffer. Et en plus de ça, tous les tours, elle va nous faire une attaque physique mono-cible. Donc, bah, attention à ça. Potentiellement, ça peut piquer un petit peu. Hein. En plus de ça, elle va infliger au moins une des 2 altérations d'état. Et derrière, on a 30% de chance de subir l'attaque magique mono-cible. Sinon, 30% de chance l'attaque physique mono-cible. Ou sinon des petites attaques normales. Et donc voilà, c'est tout pour ce retour des poupées folles. Concrètement assez simple, hein. Là un petit peu tout est résumé. Bon voilà, faut absolument éviter les autres éléments que le feu, l'eau et la foudre. Et hormis ça, c'est assez simple. Enfin, je vois pas trop de problèmes sur ce combat. En termes d'équipe, bah, il nous faut au moins un tank magic cover sur du coup bah, les 3 éléments qu'on a vus. Un healer, parce que ça sert toujours. Un breaker. 2 chainers. Et ensuite, soit un deuxième tank pour qui du coup lui va subir les attaques mono-cibles. Pourquoi pas, si on veut vraiment la jouer sécure. Ou un buffer. L'un ou l'autre, je pense que les 2 sont possibles, j'ai pas assez regardé ce que les gens ont fait, mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à y aller qu'avec un seul tank. Non, là je vois du 2 tank. Là je vois un seul tank, donc ouais, les 2 sont possibles, buffer, breaker, à vous de choisir, un peu tout est possible pour affronter ces petites poupées folles. Bon voilà, au moins 2 chainers, un tank magique. Cover, un healer, et le reste, un breaker, parce qu'on peut tous les break, donc autant se faire plaisir. Le reste, c'est du bonus, à vous de voir ce que vous avez envie de jouer, comment vous avez envie de faire le combat. Faites-vous plaisir. Et donc voilà, ce sera tout pour ce retour des poupées folles. Merci à tous et ciao, bye bye.